On pouvait dire que les industriels sont des salauds parce qu'ils se sont tous barrés de chez nous pour aller faire travailler ailleurs, tout en sachant que les produits qui sont fabriqués ailleurs, c'est nous qui les achetons. Comme on nous a appris à nous déresponsabiliser, on nous a laissé déconnecter nos achats de leurs conséquences. Petit à petit, les entreprises sont parties puisqu'elles ont compris que ce qui était important pour nous, ce n'était pas la qualité du produit, ce n'était pas la provenance du produit, mais c'était uniquement son prix. Obsédés par le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acheter des objets. Les personnages politiques, les uns après les autres, complètement liés au reste du peuple, obsédés eux-mêmes par l'achat d'objets, se sont retrouvés au guidon, un œil sur leurs propres achats et l'autre sur leur image. Il y a, après le départ des commerçants et des industriels, l'arrivée des points de deal qui, manifestement, engrangent un fric tellement important que l'on est à se demander pourquoi est-ce que les gens veulent tant se droguer. On sent bien qu'une partie du pays est hostile, dangereuse. Il y a maintenant, dans notre douce France, des zones dans lesquelles on ne peut plus rentrer. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.